Salut les petits cooks et bienvenue sur ma chaîne Cookies Culinaires. J'espère que vous allez bien. Alors si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait vraiment plaisir. Et moi, de mon côté, je vous présente une recette de bruschetta allégée, donc aux légumes et œufs pochés. Donc idéal pour un régime ou rééquilibrage alimentaire. Donc pour les ingrédients, on a besoin de vinaigre, de légumes, aubergines, courgettes et tomates coupées en tranches. On a besoin de salade verte et là on ne voit pas bien, donc une gousse d'ail hachée coupée finement. On a besoin de poivre noir, de moutarde, une cuillère à soupe d'huile d'olive, d'un œuf et du pain de campagne. Pour la tranche, il faut calculer environ 45 grammes, 45 jusqu'à 50 grammes. Hein. Donc on commence la préparation, on commence par les légumes. Donc on récupère la courgette et l'aubergine que je dépose sur un plateau allant au four, bien sûr avec un papier sulfurisé, et je les badigeonne avec de la moutarde, donc dans un premier temps, et ensuite je les badigeonne avec de l'huile d'olive. Et j'enfourne tout ça pendant 10 à 15 minutes à environ 200 degrés. Ensuite, je récupère ma tranche de pain que je vais badigeonner avec le reste d'huile d'olive. Je dépose sur ma tranche de pain les tranches de tomates. Et ensuite, sur les tranches de tomates, je dépose l'ail. Donc moi, j'aime bien quand c'est coupé finement. Après, vous pouvez lâcher ou vous pouvez en mettre que la moitié, par exemple, la moitié d'une gousse d'ail. Donc j'ajoute un petit peu de sel, donc j'ai pas mis de sel sur les légumes mais j'en mets du coup sur la tomate. Et ensuite, une fois que mes légumes sont cuits, je les sors du four et je vais les déposer sur ma bruschetta. Je réserve quelques légumes pour le dressage de l'assiette et j'enfourne ma bruschetta encore 10 minutes environ au four pour faire cuire en fait la tomate. On passe à la préparation ensuite de l'œuf poché. Donc il suffit de préparer donc une casserole avec de l'eau salée, ajouter le vinaigre et ensuite déposer délicatement l'œuf sur le côté en fait de la casserole. Donc après quelques instants, il y a les rebords qui vont remonter tout doucement. Et là, on vient les souder avec la cuillère sur le côté, le rebord en fait de la casserole. On laisse cuire 3 à 4 minutes maximum. Une fois la cuisson terminée, on va plonger l'œuf dans de l'eau froide. On n'hésite pas à mettre des glaçons si nécessaire. Comme ça, ça stoppe la cuisson. Voilà, donc je sors du four ma bruschetta et je dresse l'assiette. Donc je mets mes légumes sur le côté de l'assiette, donc les légumes qui restent, ainsi que la salade. Donc j'en mets un petit peu sur l'assiette, un petit peu sur la bruschetta. Et ensuite, j'ajoute l'œuf. Je le coupe délicatement sur le côté pour faire ressortir le jaune d'œuf. Et voilà ce que ça donne. Donc une assiette très jolie en couleur et puis très très bonne. Et qui convient très bien à quelqu'un ou une personne qui fait un rééquilibrage alimentaire. Pour terminer, j'ajoute un petit peu de sel et un petit peu de piment de cayenne, surtout pour la couleur. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et si vous voulez d'autres recettes de rééquilibrage alimentaire ou de régime, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.